Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une très grosse vidéo. Car aujourd'hui, on va continuer la construction de la plus grosse ligne du spot. Mais on va aussi lancer nos plus gros tricks en vélo et faire pas mal de dingueries. Alors j'espère que vous êtes prêts. Bon visionnage. Salut à tous. Comme vous pouvez le voir, on vient d'arriver au spot. Et aujourd'hui, ça va être une très grosse session. On est avec les potes. On va aussi shape. Donc ouais, une maxi session. Comme vous pouvez le voir, je suis pas en tenue. Je vais aller m'équiper et on se retrouve directement sur le bike. C'est parti. Allez, premier laps de la journée. On va commencer tranquillement. En plus, je reviens de blessure. Donc ça fait presque 2 semaines et demie que j'ai pas roulé. Donc on va s'échauffer tranquillement. Il est beau. Bon, tu fais vraiment pas chaud. Je pense qu'il doit faire un truc comme 3 degrés. Oh, ça glisse vraiment beaucoup. En plus avec les nouvelles chaussures. Donc ça va pouvoir faire une vidéo test de ces magnifiques 510. Et on va directement aller positionner la petite GoPro sur le Teco. Au moins vous pourrez avoir 2 points de vue. Et oui, car j'ai investi, mesdames et messieurs. J'ai maintenant 2 GoPro. On va positionner comme ça. Allez, premier run de la journée sur le step up, on y va. Ok, ça glisse un petit peu, ça reste raisonnable, ça c'est cool. En plus on est avec les poteaux, c'est ça qui est bon. En mode chouchou. Je vais directement remettre un peu mieux mes freins. Car là on a un petit souci, c'est que ça frotte vraiment beaucoup. Donc je vous mets directement un petit accéléré de, quand je les remets comme il faut. Frein réparé, on va pas rouler. Tout à l'heure, on ira rouler les plus grosses lignes du terrain, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La petite trail condor. Ok, j'ai le airtime pour lâcher les mains. Je vais essayer de les lâcher, mais je promets rien. Oh, ça va? Allez. Oh, let's go! Yeah boy! Trop content, premier condor pour ma part validé sur le dur. Vraiment, super content. C'était un truc que je rêvais de faire. Je voyais plein de pour en faire. Bien sûr, hein, les miens sont encore perfectibles. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai validé mon condor. Grave content. Donc là, on va retourner rouler et tenter d'autres tricks. Yeah boy. Oh le carnage. J'ai failli me la buter. Et on va maintenant partir sur les lignes. Regardez, il y a les potes. Yeah boy. Donc on va aller les rejoindre, on va faire quelques petites lignes et même peut-être des cales sur la grosse ligne. Donc vous allez voir ça, après on va shape. Donc voilà, bon visionnage. Vas-y, nice. Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, ça y est, ça passe. Oh, ça drift devant. Oh, je vous imaginez même pas comment le spot il est glissant.
Là, on va tout tirer. Oh, ça glisse. Wouhou. C'est que ça glisse vraiment trop. Allez, c'est bon, ça part. Let's go. Ça glisse. Oh, oh, petite glissade de l'avant là. Oh, j'ai fait. Oh, petite glissade de l'avant là. Et je me suis posé sur la branche. Vas-y, je vais me tenter une petite récepte manuelle sur cette double. On va voir ce que ça donne. Hein. Non. Oh, à plat. Ça glisse, l'ami. Try de manual. Yeah boy, ça qui est bon. Wow, j'ai fait n'importe quoi. Oh, ça repart sur gros signe et ça glisse vraiment. Table. Petit whip. Oh, oh, je suis pris une compression dans la cheville. Je m'attendais pas à ça. Oh, je sais pas ce que c'était, putain. Ça m'a secoué. Comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, j'ai maintenant un nouveau sponsor. C'est le magasin Cyclomondor. Ils mettent dans l'achat de tous mes vêtements, notamment aussi pièces. Là, regardez, c'est le guidon qu'ils m'ont fourni. Donc vraiment, un grand merci à eux. Et qui dit nouveau sponsor, dit nouveau stickers. On va directement le coller sur le cadre. Nickel. Donc encore merci au magasin Cyclomondor, mais aussi à la marque Sèche. Ce sont mes deux sponsors qui m'aident dans tous mes projets. Je vous remets directement sur la vidéo. Oh boy. Oh, bien joué. Je vais maintenant aller tasser la réception du step-up, qui en fait elle est un peu molle, donc ça fait, donne plein de vagues comme ça. Et j'ai envie de tester un trick. C'est une réception sans les mains, donc une réception suicide. On appelle ça suicide landing. Et donc là je vais tasser avec cette nouvelle pelle. On avait cassé le manche, donc on a remis un petit bout de bois. Et regardez-moi là, la tête de ce truc, en plus ça marche super bien. Donc je vais directement vous mettre un petit accéléré de quand je tasse ça avec cette pelle. Ouais, try de suicide landing. Yes bro. Oh. Break it down into sections. Drugs by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately. Frank the deputy, quick to grab my Smith and Wesson like my dick was missing. To protect my position, my corner, my player. While we out here, yeah boy, fucking good.
Allez, il est extrêmement débile. Tirer toute la récep pour atterrir en bas. Est-ce que ça va passer? Je crois voir. Hein. Oh. Ah dis, je peux la tirer plus encore. Ça va faire plus. Oh. Tu vois, on est loin. Hein. Wouah! Wouah, wow, sur ma trace! Putain. Ouais. Pile là-haut! Waouh! Oh, lui, il était fat! Ah, j'ai fait un prono, mon gars! Pile! Oh, lui, il était fat! J'ai cru que t'allais viser la truc. Là. Putain. Oh là, le tir que t'es mis, bâtard. Regarde ça. Je me fais un petit coup de street. Oh, oh, j'ai fait me bouffer. Comme vous avez pu le voir, on a bien roulé. On a tous lancé nos gros tricks. On a Geoffrey qui a sauté la table, Ambroise qui a lancé pas mal de tricks, et moi je me suis mis des méga longs de l'extrême. Donc on est tous super contents. Et là maintenant, on va passer à forcément ce qu'il faut faire. No dig, no ride. Donc c'est parti. On va continuer la petite construction de notre grosse ligne. Comme vous savez, il y a Big Mammouth là-bas. Et là, on était en train de construire la première bosse de la ligne. Je vous avais mis une première vidéo shape qui vous a d'ailleurs très bien plu. Merci à vous. Et donc là, on va continuer la construction. Let's go. Donc là, on s'est rendu compte qu'on avait beau creuser et mettre la terre là, en fait, on avait un souci. C'est que toute la terre, elle tombe sur les côtés. Donc là, on va directement aller chercher des bâtons en fait, pour les mettre ici et essayer de retenir la terre. Et voilà, on a mis pas mal de bouts de bois. Regardez, comme vous pouvez voir là, un tronc ici. Ce qui fait qu'on a vraiment un truc stable maintenant. Là, la terre, elle bouge plus. Là, la terre, bon, c'est calé. Donc ça, ça bouge. Et là, pour un moment. Donc là, c'est nickel. On va remettre de la terre. Bon, comme vous avez pu le voir durant l'accéléré, il fait maintenant nuit. Je sais même pas si vous me voyez. Voilà, peut-être un petit peu comme ça. Donc, on a vraiment bien avancé. Le kick, il est presque terminé. Il faudra remettre encore un peu de terre, tasser. Et donc, ouais, ça sera... Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Il fait malheureusement nuit. Il est juste 17h. Donc, vive l'hiver. Mais si vous êtes sûr qu'il fait la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre commentaire et me donner un petit retour, quoi. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, Shape and Ride. Sur ce, ridez bien, roulez safe et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rider Dor. Oh, la tête qui bouge. Ouais.